Vas-y, je lance le record pour YouTube. Petit siège, comme ça on peut regarder où on en est. Ah, on est revenu rank 10. La belle affaire. Alors, qui on peut se taper? Donc, Malicious, ils ont pris le devant. Ok, Victorious Secret, nanana, Mithril Calibre. Ok, il n'y a que des guilds qu'on connaît très très bien. On peut tomber contre 1789. Et c'est tout, en guild des fers. Ok. On va préparer les documents. Pour les petites offenses. On va essayer de faire un max d'offenses à l'open. Comme d'habitude, comme ça, la VOD pourra partir sur YouTube. Et puis voilà, j'espère qu'on va pas se prendre Malicious Say Swag. Je suis pas d'humeur ce soir à trahir mon siège. Je sais pas vous mytho. Juste des guilds random. Comme ça, on fait des attaques random et c'est bien, tu vois. Mais en fait, Malicious, ils ont arrêté de tryhard, puis ils ont recommencé à tryhard. Sauf que, entre temps, ils avaient recruté des mecs pour ne pas tryhard, qui en fait étaient des tryhards. Enfin bref, c'est tout un bordel. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que bah ils sont plus forts que jamais en ce moment et ils ont recruté des bons joueurs, quoi. Genre, il y a J-Mac qui a quitté AV, qui est allé là-bas, et genre, il a des runes de port. Enfin, il y a pas mal de gros joueurs qui se sont retrouvés là-bas et du coup bah ils se mettent à tryhard et vraiment ils sont ultra forts. Ils sont vraiment ultra forts. Genre ils surclassent le serveur mais de très très loin. Mes defs elles ont pas bougé pour le moment, on verra ça samedi. J'ai refait une win avec mon singe, je suis mort de rire. Mon singe est quand même à 2 wins. Et la def avec Barbara est en 2-3 sachant que mon Kmoo n'est pas skill up. Donc, on verra samedi pour équilibrer tout ça. Toujours pas skill up ton Kmoo ? Non, j'arrive pas à choper des... Ouais, c'est trop le... Ah ouais, ça change tellement un Kmoo skill up. Ouais, je sais bien, mais j'en ai un de Kmoo skill up. Mon premier Kmoo, il est skill up. Bah oui, ça, c'est le deuxième. Moi, j'en ai deux fous. Juste, il faut que je les switch, tu vois, mais... Pas switcher, tous mes Anubis sont max. Ah, le problème, c'est que j'ai monté Yunu et etc. Tu vois, et j'avais pas forcément beaucoup. Mais bon. Ah, en vrai, ouais. Mais tu vois. Non, c'est pas très... Hein. Merci, j'ai mis du temps aussi à les skill up. Et c'est pareil, on a un mec d'un AF, il en a aucun des deux de skill up. Oh. Après, le mec, il a 3 BR à côté, tu vois. Alors, contre qui est-on? LX et Sir. Ok, ça va. En vrai, ça va. C'est ok, tiens. Donc, ça, c'est classique. Est-ce qu'on a des. Oh, parfait. C'est quoi? Ça, on prend pas de risque. On fait les offenses qu'on connaît pour taguer les tours. Comme ça, ça fait des free. Enfin, ça fait des free offenses, entre guillemets. Enfin, qu'on gagne, qu'on perd, c'est des compos qu'on peut lancer très très rapidement. Ok, faut pas que ça proc. J'ai dit faut pas que ça proc. Et attends, il a pas 4... Qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain, encore. Il n'a pas 5 stacks. Ok, elle a proc. Elle a pas fait son AOE, par contre. Parce que son Odin est plus tanky qu'autre chose. On va faire ça. Oh, je me suis pris un last pick Gianna, mais ouais. Ah, ça pique tellement. Ok, elle veut pas faire le spell 2, donc c'est tant mieux pour nous. On va les tuer une première fois, on va garder le spell 2. Elle fait... Mais qu'est-ce qu'elle fait? La Bastet ne fait pas son spell 2, gros. J'ai jamais vu une Bastet comme ça. Ah, ça y est. Oh là, ça y est, elle se déchaîne. Spell 2. Ok, bon, c'est gagné. Nice. Yo, Dagidag, comment tu vas? Je mets le feu en G-Vol, être rapide, tanky. Ouais, je vous montrerai après les runes pour ceux que ça intéresse. On se fera une petite session rune. Là, je spam juste mes attaques le plus rapidement possible pour faire un max d'attaques en un minimum de temps. Et après, je vous montre toutes les runes si ça vous intéresse. Ok. Là, on a quoi? Attends, mais ils veulent qu'on en refasse. Attendez. Merde, attendez, c'est des vigors ça. Moi, je préfère ça. On va faire une à base de Camille, Tessarion. Et c'était quoi mon truc? C'était Triana, je crois, en vrai. Triana. Vas-y, on va faire ça. Oh, j'aime pas quand ça proc à l'open. Putain, parce qu'elle est pas wheelée, ma tri-tri. Ça sent mauvais, les gars. Et ouais, putain, il proc. Ok. Bah après, c'est ma faute parce que ma Triana est pas en wheel, je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Ça va, les proc. Ah, mais gros. Ok.
Et ben une Leukimie. Il me faudrait des proc Tessarion pour essayer de m'en sortir. Mais en vrai, je sais pas pourquoi elle est plus en... pourquoi elle est plus en will, ma Triana, je comprends pas. Ou alors je mettais peut-être pas Triana. En vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette team. Donc je sais plus pourquoi. Bref, peu importe, on s'en bat les couilles en vrai. On va faire la team avec Daphnis. La team avec Daphnis, c'est aussi avec une Triana, normalement, si je dis pas de conneries. On va prendre la deuxième Triana. Mais j'aurais dû inverser les Triana, parce que je crois que la deuxième, elle est willée, non? Même pas. Pam, pam, pam. Ragdoll Gianna, Last Pick Gianna. Et par contre, sa truc, elle derbe tout le temps, genre. Et elle proc tout le temps à l'open aussi. C'est intéressant comme gameplay de proc tout le temps à l'open. Moi, je trouve ça pas mal. C'est un bon concept. Ok, donc là, évidemment, on n'a pas eu le break def ni le slow sur le Odin. Le but, c'était de le one-shot à l'open une fois qu'il s'est vidé de ses stacks. Donc, on y arrive quand même. Ça devrait être bon là normalement, sauf s'il outproc à chaque fois. Et normalement ça devrait le faire. Ok, ça y est. Ma Navel se réveille. Elle a décidé de proc. On va mettre break def slow. Si on met là-bas. Ça. Ah, tu as CG2, ok, nice. Du coup, on va lui mettre full, la full sauce à lui. Nice. Oh, la Navel qui est déchaînée ce soir, les amis. Ok. Tu fais tes 10 attaques direct, toi ? Moi, j'essaye de tout spammer, genre en mode à la zone, tu vois. Après, vous prenez plein de tours d'entrée, donc ça va. En fait, le truc, c'est que je suis dans une guilde où les gens, ils jouent la nuit, tu vois. Bah, moi, je joue à la zone, à l'open, ils s'en battent les couilles, ils me laissent faire ce que je veux et je suis tranquille. Même pas tu tags. Ah, mais gros, j'en ai rien à foutre, gros. Rien à foutre. Ça doit être le feu, ça. Mais tu sais que on est top 4, top 5, sans rien taguer, sans rien. Genre, vraiment, c'est à la zup, tu vois. C'est juste le premier qui joue, bah il l'a et basta, quoi. Donc, on a tout passé les bombes, donc c'est bon. On va Julie une autre aussi. Ça arrive jamais, ça a passé toutes les bombes. En vrai, ouais. C'est vrai. T'as assez d'offense pour ça? Parce que moi, j'en ai une autre. Oui, j'en ai plein, j'en ai plein. Enfin, là, je joue... j'en ai une autre que j'aime bien jouer. C'est ma Julie. J'aime bien jouer des trucs RNG contre ces trucs-là. C'est mon petit kiff, ouais, du siège. En fait, mes deux kiffs du siège, c'est les bombes et la Julie. Ça derpe une fois sur deux, mais ça me fait rire. Après, j'ai déjà fait une offense, donc il faudrait que ça gagne. Sinon, ils vont m'engueuler, mais bon. Ok, ça, c'est bon. Beaucoup trop OP, mec. Ouais, je trouve aussi que je suis fort, ouais. Bang. Ok, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Oh, bah tiens, c'est original, ça. J'avais jamais vu ça en... hop, on va faire un Kmoun Vigor, mes couilles au bord de l'eau. Tac. Allez, c'est parti, c'est lancé. C'est trop fun hein, quand ça passe. Et quand ça passe pas, bah nique, tu vois, tu t'en fous. T'sais. Genre, c'est bon, tu peux pas gagner à tous les coups. Tu vois. On va aller sur le Kmoons à l'open. On va slip le Vigor, vous connaissez les bails. On va proc, on va geler le Kmoon. Ok, pas vraiment. Uf. On l'a presque one shot, gros. Non, mais arrête de proc, tu triches, là. Wesh, alors. Ok, c'est bon. Ok, on va là-bas. Non, j'ai pas gelé. Allô? On a un til. Oh, nice. Oh. Oh non, j'ai loupé. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Si on la tente.
Ça c'est Gucci. Ah mais gros, arrête de proc là. Mon Kmoun il est vénère de fou ce soir. Le Kmoun il a pas envie de laisser jouer les adversaires genre. Est-ce qu'on s'en refait une en vrai? Ah oh, y'a une avec Triana. Est-ce qu'on a d'autres dans la... Le truc avec Aegir ça marche jamais. Mais j'ai, mais de toute façon j'ai plus assez. C'est quoi? C'est Aegir, Lorraine, Harmonia ou Triana, ouais. Ça on peut faire la classico. En vrai, est-ce qu'on fait la classico là-dessus? Vas-y, tu sais quoi, on fait la classico, nique sa mère. Ouais, mais Aegir, Lorraine, Harmouche, genre, je sais pas. Soit ils sont mal runés, mais j'ai l'impression que ça passe jamais, gros. Mais on essayera tout à l'heure, de toute façon, j'ai... Heureusement qu'il a pas BDF. De toute façon, j'ai que ça à foutre, donc... Peu importe. Il va me provoquer, c'est pas très grave. Ok, il fait... Oh, il fait 11k8, quand même. On va essayer de le sortir, lui, en vrai. Je pense que plus vite il est dehors, mieux c'est. Après, la Syrah fait pas spécialement peur. Lui, il a fail son break def. Voilà, parfait. Ça, c'est good. On va geler ça. Non. La bombe qui part dans le vent. C'est parfait. Non, pas forcément, hein, Vicky. Pas forcément. Toven, t'avais dit combien de speed pour... là-haut avec Isabelle, perso, moi j'ai plus 60. Truc du genre. Ok. Tag, ça c'est tags. Du coup, ils veulent prendre ça. Bien pour ça, moi. C'est... Oh, et ça, attends, ça j'aime trop. Oh non, ça j'aimais trop faire. Ça, tu mets... Ah, mais non, t'as pas Léo. T'es bien sûr que si, j'ai Léo. Si, t'as Léo. J'ai, un Léo, Léo. J'ai un Léo à 100 base, gros. C'est la IKEA que t'as pas. Mais j'ai... Je peux mettre... Léo, Psam, plus 1. T'aimes bien Psam dessus? Tu mets Léo, Psamat, il n'existe pas. Hein. Il est pas runé? Il est dégueulasse, quoi. Tu vois? Non. Horrible. Oh, ça ira bien. Mais moi, je mets Rina, d'habitude. Tu peux mettre Rina aussi. Et après, je mets Armo. Ou Armo, mais là, je vais mettre lui, là. Comme ça. Peut-être... T'as pas un Belenus? Non, non. Non, mais tu sais quoi, je vais faire ça. C'est classique. On va pas se prendre la tête. Pas se prendre le chou. J'aurais trop kiffé la dismount à l'open comme ça. Ouah non, le proc. Bon après j'ai proc aussi. Ah ça c'est chiant ça. T'aurais dû faire jouer le Léo là. Je sais pas. Ouais c'est bon. Tu. Est-ce qu'il y a du siège? Ok. Ok. Tu peux, mais tu vas rentrer dans le pourcentage de chance ou voilà quoi. Mais généralement, ce que tu fais, c'est que tu fais Kmoun, Imezeti et Copper. Comme ça, tu outspeed avec ton Imezeti le Skogul. Pas le Skogul, le Vigor. Si jamais tu outspeed pas, bah t'es mort en fait. Voilà. Vas-y, on va faire la Aegir machin, mes couilles. Ah, mais attends, mais non, mais on peut faire ça, non? Est-ce que ça marche? On va tester. Ouais, ou Chilling, tu peux aussi, ouais. De toute façon, il y a plein de compos qui marchent, les gars. Ils derpent souvent à l'open les Skogul, j'ai remarqué. Pas les Skogul, Enfin, t'as compris. Lui, on va le Fumax à l'open. On va pas le Fumax à l'open, du coup.
ce que je disais. Est-ce qu'on le fume là, break def? Ouais, nice. Oh, vous imaginez 50k gros. Oh non, 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 il proc là. Excusez-moi, monsieur. Et moi. C'est un peu de la tricherie là, non? Oh là là. Est-ce que j'y mets là? C'est un film de cul, hein, ce que je lui ai mis là. C'est un putain de film de cul, ce que je lui ai mis. Let's go. Ok. Et là, on va tester la Aegir, Lorraine, mes couilles au bord de l'eau. Ah bah non, mais j'ai plus Harmonia, je suis con. Bah non, bah je peux plus. On peut peut-être taper un bail comme ça, je pense. Avec la classico, et puis on aura fait nos 10 attaques. Et voilà, on aura fait... On fait 8 sur 10 ou 9 sur 10, ça me va parfaitement. On a claqué ça en 13 minutes. Genre en 15 minutes, j'ai fait toutes mes offenses, ça me va parfaitement. Et après, je m'en bats les couilles du... Non, non, bah non, là tu triches, là. Ah bah non. Ah bah non. J'aimerais bien que ce soit comme ça. Mais gros, mais tu triches, là. Il a joué 40 fois à l'Open. Pas censé déjà t'es pas censé me strip déjà pour commencer, déjà t'as triché. Ok, c'est pas terminé. Ah, mais gros, les procs, il faut pas que lui rejoue. J'aime pas, putain, j'aime pas ça. Stun, putain, mais elle stun pas cette connasse là. Et ouais, bien sûr, il faut que tu proc machin bidule là. Il faut que tu proc ou ça, il faut que tu proc, s'il te plaît. Sleep et proc. Oh, t'es un boss. J'aurais bien aimé que tu sleep quand même. Mes défenses, elles performent comment? Bof, bofi bof. Il faut que tu cycles. Oh putain. Ah putain de merde. Ah évidemment. Ah évidemment qu'il chope le break dev, ce chien de la casse, putain. Il faut qu'il chope le strip break dev sur le Woussa. Hein. Et il faut que. Et résistance, bien sûr. Ah, oh, putain, c'est trop. Allez, 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 on peut le faire, on peut le faire. Arrête, arrête, arrête de jouer. Encore. Allez, on peut le faire encore, mais il faut des stuns. Oh, t'as pas mis de dot. J'ai pas mis de dot, mais je... C'est trop, en fait, hein. Et j'ai de l'arrêt sur Marika, ça marche pas, gros. Et j'ai pas stun cette pute de Syrah de toute la game, en fait. Oh, non. Putain, c'est dingue cette Syrah, merde. Tu sais que c'est l'épreuve que t'avais gagné en plus. Mais je sais, gros, bien sûr que j'aurais dû gagner, qu'est-ce que tu crois? Je le 2v3, c'est un noob. Putain, la chatte qu'il a, gros. Bon, t'as 8 fait sur combien, 10. Du coup 8 sur 10, tranquille, en 15 minutes. 15 minutes chrono, 15 sur 10, 125 points. Parfait. Bon, après, les mecs en face, c'est des merdes. Oh, mais j'ai même gagné, je gagne même des defs. Bon, les mecs en face, de toute façon, ils sont nuls, donc on va gagner le siège, c'est pas le problème. C'est qui a feed, là? Ah, c'est sur ma Molly. Ouais, c'est sur ma Molly. Ok, si ma Molly commence à gagner à l'open, c'est cool. Nice. Bon, bah voilà. Voilà. C'est donc un 8 sur 10 torché. 100% vous allez vous faire 2v3. Mais même en 2v3, ils sont trop nuls pour nous battre, en fait. Enfin, 2v1. Même si Elix, c'est pas la guilde 1, je crois pas. Hein. C'est la guilde 1? Ou alors ils ont changé leur logo? Je suis pas sûr que ce soit la guilde 1. Si, c'est la guilde 1. Ah si, c'est peut-être la guilde 1. Mais même, ils sont... C'est qui en face? Ça, c'est la guilde 2 d'Ocytocina. Ils sont très cool. Et je pense pas qu'ils vont en 2v1. Mais de toute manière, ils sont pas très forts. Et Elix, ils sont nuls à chier. Je suis quasi sûr qu'en 2v1, on les baisse quand même. Donc dans tous les cas, je pense que c'est win. On verra demain, hein, on verra demain. Peut-être je me trompe. Mais bon, voilà. Bon, bah voilà, la bise YouTube. J'espère que vous avez kiffé ce siège express. 15 minutes chrono. Et voilà, à plus.